Allez, donc j'ai tête. Ici, je vais. Faites passer avec un couteau. Écoutez, non. Et là, ensuite, je vais venir enlever la barbe. Donc, avec la cuillère, je suis la chair du poisson avec la fourchette et avec la cuillère, hop. Alors, dans le turbo, par exemple, qui est un poisson plat également, on a la barbe. Mais on va garder à l'intérieur des barbes, il y a de la chair, on va le garder dans le turbo. Là, c'est trop petit pour le garder. D'accord? Vous avez vu tous ces. Je fais la même chose ici. Donc là, c'est des soles portions. D'accord? C'est-à-dire une sole par personne. Elles sont déjà. Portionnées. Ouais, mais elles sont déjà bien costauds quand même, hein, celles-ci là. Hein. D'accord? Elles sont grosses hein, quand même. Hein. On peut être sur plus petit. Hein. D'accord? Voilà. Si j'ai plusieurs soles à faire, eh ben, je fais toutes les soles comme ça. Et je redresse. D'accord? Un client, ça? Ouais, vous montrez pour un client, mais c'est gros. Je vous ai dit, celles-là, elles sont assez grosses. Et ensuite, je prends l'assiette client. D'accord? Et je vais venir la positionner. D'accord? Ici, je vais couper au centre. D'accord? Et je vais. Voilà, faire basculer le filet du haut. Sur c'est du client carrément. Oui, mais parce qu'après, voilà, c'est beaucoup, c'est plus facile pour. Mais ça va, c'est pas dur. Et là, on enlève l'arête. D'accord. Et là, ensuite, à ce moment-là, regardez. Voilà, je vais faire comme de la guitare, comme ça, d'accord, pour décoller les chairs. D'accord. Je l'enlève en deux fois, parce que sinon, ça fait quand même. Ça a l'air assez facile. C'est facile, ouais. Voilà. Et là, c'est facile. Parce que ça coûte cher. C'est sûr que c'est super cher. D'accord. Voilà. Ok. L'accompagnement, là, c'est gros, hein. D'accord. L'accompagnement, on le met où? Voilà, parce que c'est trop gros. Ok. Si jamais, tu peux couper.